Ok, on a 5 bronzes contre 2 GM. Selon vous, qui peut gagner ce match? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Si vous voulez participer à ce genre de concept, vous avez juste à venir sur le Discord qui est en description. Et prenez le rôle alerte tournage. Et d'ailleurs, merci pour les 50 000 abonnés, ça fait super plaisir. Maintenant. C'est maintenant, les gars. C'est type 1. Ok, du côté des bronzes, on a du coup une compo Reinhardt, Ange, Kiriko, Ash, Soldier. En vrai, c'est une compo un peu méta. Et là, on a Coco. Coco, il est déterminé à gagner. Coco et les Sar. Kiriko, Orisa. Je vous jure, je suis content. Je suis content que ça se fasse. Ok. Oh, ça joue, j'approche. Hein. Ok. Au pire, s'ils perdent trop les GM, je vous ai dit, on va augmenter leur stat, genre. Oh, ça a déjà. Oh, c'est un merde. Ah ouais, c'est chaud, j'avoue, c'est chaud en vrai. Hein. Oh non, mais ça, là, si tu lui pas. Attends, mais ça, il est en train de faire full damage. J'avoue, c'est chaud en vrai. C'est chaud sa mère en vrai. Ah, là, tu vois direct, en fait, ils prennent beaucoup de dégâts. Hein. Ah là, non, mais là, j'y crois, tu vois, par exemple. Là, tu vois, j'y crois. Là, je sais pas pourquoi. Je sens un peu de bronzos. En vrai. Hein. Ah ouais, ça, c'est du GM. Ah mais Coco il est trop gaze. Coco il est trop gaze. Aimbot. On pourrait croire hein. Ouais sa mère, ils sont bons hein. Tu vois qui c'est qui carry là dans leur team? On peut pas faire tab nous. On voit pas leurs stats. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Moi je pense qu'ils peuvent gagner ouais. Je vous jure je pense qu'ils peuvent gagner. Vas-y clique. Oh let's go, il a tué. Oh il y a un kill. Oh y'a plus d'ange. Oh y'a plus d'ange. Et là si ça fait du heals. Oh, le soldier est trop fort hein. Mais ce soldier. Mais Philippe! Mais il est trop fort! Et là, c'est le début de la fin pour eux. Oh non, il a eu la res. Oh non, il a empêché la res! Ok. Ok, Azashir. Voyez les tanks. Regardez, enfin les GM. Regardez! Non, il a passé de ville, je pense. Hein. C'est chaud au niveau, c'est chaud. Je pense à un Hog, ça passerait mieux. Hein. Je sais pas pourquoi il joue pas Hog. Hein. Oh sa mère, ouais, non. Son level à lui. Son level à lui, il est pas bronze. C'est un poxy. Philippe Smurf c'est un top 500. Ah mais c'est sûr. Alors après quand tu vois son aim des fois j'ai l'impression il a des bugs de souris. Ou alors il est sur manette, je sais pas. Ça se voit quand même, ils sont un peu bronze quand même. Ça t'as un peu plus de heal. Oh la Moira, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh la Moira, elle a fumé ça. C'est une catastrophe. L'humiliation en direct. Il joue avec les pieds. C'est marrant comme on sait que tu vas buff les stats après. Je pense que je vais buff leur stats. Je pense que je vais buff leur stats au GM. Là je vois ça struggle un peu. Je sais pas combien de games on va faire les gars. Volonté de perdre. C'est pas possible. Non il y a volonté de perdre, on demande l'avare. On demande l'avare, Coco et les Sar, qu'est-ce qu'ils nous font? Ah j'avoue ils pourraient jouer des PS. En vrai c'est chaud hein. Ouais c'est chaud, les bronzes sont pas si nuls hein je trouve hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ils sont. Tu sais tu t'attends à des mecs qui ont jamais joué au jeu. En vrai ça clique hein. Après faut dire ce qui est, la plupart d'entre eux viennent souvent dans les pépés de Pearl. Forcément ils deviennent monstrueux au jeu. Bon voilà, c'est un petit peu normal. En fait j'ai l'impression qu'ils stressent. J'ai l'impression que ça stresse les Sarcoco tu vois. En plus la honte après. Après ils perdent vraiment en street cred hein. S'ils perdent tout le monde va les trash hein. Ok. Là il est tout seul, il va se... Oh Philippe. Oh non il va se faire baiser. Oh non. Il est baisé. Ah et là il reste plus Coco et là c'est fini Topipo pour eux. Ouais si tu trouves, tu sais ça carry pas les frérots GM tu vois. Tu t'attends à un mec qui soit monstrueux. Ça, après je sais pas c'est surprenant quoi. Après il y a peut-être des smurfs. Giga dur, ah ouais d'avoir un tank en face j'avoue c'est chaud. Est-ce qu'on va pas buff un peu leur stats? C'est ce que j'avais prévu. Je me suis douté que ça allait être galère pour eux. Enfin on avait fait des tests. Enfin Maître avait fait des tests, Maître Ashot avait fait des tests. Et on savait que c'était un peu dur. Bon vous avez vu nos GM ils sont bien gaze. Du coup on va les aider un peu et on leur rajoute un GM en plus. Et vous allez voir c'est plus du tout la même game. Regardez Valenti, qu'est-ce qu'il nous prépare Valenti? Valenti nous prépare une dingue. Valenti va se faire fumer dès le début. Regardez ça. 1-2-3. Ah, c'était super ça comme action. J'ai adoré l'action. Philippe il a carry la dernière game les gars. Là présentement ça reprend map.
Oh là là, là ça va être une humiliation là. Là ça va être une humiliation là. Mais là ils sont sur leur pic de confort aussi. Si je puis me permettre. Qu'est-ce que ça donne? Oh bah super, alors pic de confort, super, le man tombe dans le vide. Vas-y, son level, son level. Ah bah là tout de suite, ça va être plus simple je pense. Ça sent si. Ah ouais, peut-être qu'ils sont sur manette les gars. Hein. Mais voilà, ils auraient dû jouer DPS depuis le début. C'est Tokar, ils jouent tank heal. Tank et heal aussi. Qu'est-ce qu'ils nous font? Glowfly face à Dizzy. Voilà, Glowfly. Oh, ça tire dans la map. Ok, Glowfly. Glowfly qui a l'avantage. Faut continuer, Glowfly. Oh non. Oh, je l'ai chargé. Oh, il charge en retour. Il arrête sa charge, il revient. Non, c'est fou. Avec son bras, ils sont automone. Mais j'avoue, hein. C'est juste des putains de throwers, nos GM, en fait. C'est juste des mecs qui n'ont aucun de QI. Qui ont zéro de QI. Voilà. Ah oui, bah là tu tues. Hein. Là, Glowfly, c'est gagné. Là, t'as ton ulti. Là, tu tues les stars. Dommage. Close, en vrai. À deux doigts de l'avoir, celui-là. t'étais dessus, je comprends pas. Hein. Je comprends pas comment t'as perdu ça. Mais Dizzy, il se balade. Dizzy, il est là, il se balade chez eux. Il en a rien à branler. Regardez-le. Oh, le slow. Oh non. Oh le chatter est mauvais. Le chatter est mauvais. Pas mauvais dans le sens où il est nul. Mauvais en mode il est pas gentil. Il est très 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 méchant. Ouais, là qu'on voit pas qu'il est bronze quoi. Attends, mais en vrai c'est équilibré. En vrai ils sont en train de gagner nos bronzes là. Ils sont en train de putain de gagner en fait nos bronzes. Par contre là ils ont plus de heal. Reculez. Oh la charge. Ah là vous le faites, là vous tuez lui. Allez. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe du côté de Dizzy? Mais ça joue, il joue des piques exotiques aussi, c'est ça son problème. Après range, j'avoue c'est dur. Ok, ça joue groupe, voilà, ça prend des piques, voilà. On prend deux piques. Là on joue safe. Ils vont oublier pas, ils ont C9. Sa mère. Si C9 est là. Oh. Oh, il y a la bombe. En vrai, c'est gagnable. C'est gagnable de fou en vrai. Là, il écrase les mecs avec son truc. Oh, dommage, il a timé un peu trop tard. C'est quoi ton main? Fais point sur main si tu veux. Oh, voilà, c'est finito. Voilà. La vidéo tombe à l'eau à cause des GM. Mais vas-y, mais nos GM sont trop gaze. Nos GM n'ont pas de talent là. C'est quoi ça, frère? C'est pas possible. Ok. Après, Pharah, ça va être chaud là. Pharah contre les nouveaux joueurs. Pharah contre les bronzes, les gars. Ils prennent le choix de la sécurité. Hein. Oh, vas-y. Mais c'est quoi leur level? Ah, bah, Azashir, par contre, ils ont mis une tête. Azashir, en vrai, il est chaud, hein. On est GM trop fort. Les GM c'est des flops. Dans leur gueule. Ah, Zashir le pauvre il est complètement perdu par contre. Hein. Il sait plus où est-ce qu'il est. Hein. Il est démuni. Hein. La situation paraît compliquée quand même. Attendez, hein. Là notre aidé. Il est ça, ça va être 10 ans pour lui. Faut vraiment qu'ils arrêtent de jouer tank. Hein. Oh non. Attendez, c'est quoi la pauvre de Dizzy? Ah super, la pauvre de Mercy. On a pas trop envie de voir ça. On a pas envie de voir une POV, merci. On est sur le ult, le GM. Waouh, chiale moins. Waouh, d'accord, ok. En vrai, là, je crois qu'ils ont trouvé un truc. C'est la Pharah, il en a plus rien à foutre. Ils savent plus quoi faire, nos petits bronzos là. Ressaisissez-vous. C'est ça, nos bronzos. Bon, c'est normal. Si les bronzos perdent, c'est normal. Si les GM perdent, c'est. Improbable. Je les déteste. Oh les pauvres, la Pharah c'est pas cool. Hein. La Pharah c'est pas cool. Hein. Est-ce que la Pharah c'est du jeu? Moi je pense que la Pharah c'est pas du jeu, les gars. Hein. La Pharah c'est pas du jeu. Hein. Oh oh. Tout doucement. Oh la pauvre Valenti se fait fumer. Ah c'est gagnable. Hein. Ah bah voilà. Merde. Oh le specking. Comment je suis trop fort en spec. Oh ils ont C9.
Non, ils ont C9, non. Reinhardt, Vespara, c'est pas du jeu. Stop solo ult. Bon les gars, est-ce que ça vous plaît en tout cas comme concept? Est-ce que vous kiffez? Même sur YouTube, hein. Dites-nous sur YouTube, dans les commentaires là. Ah voilà, là c'est une compo. Voilà, là c'est une vraie compo. Là on nous sort de la compo là. On a du Dizzy en tank, on a du Coco en heal, et on a du LSA en heal. Ça c'est de la compo. Voilà. Voilà. Là j'aime bien. Tout ça là, moi j'aime bien frère. En fait ça va changer. Là la compo elle a plus rien à voir. En fait à chaque fois que quelqu'un gagne, j'ai envie que l'autre gagne. Mais t'es pas net non? Mais si, je suis très net. Voilà. En vrai on annule. En vrai je pense qu'on va annuler la prédit. En vrai pour être équilibré, on annulera. Là c'est des vrais GM. Là voilà, là il nous propose du gameplay. Donc je suis meilleur joueur de l'univers, ça fait plaisir. Oh non le shatter! Oh non c'est trop triste. Oh les pauvres. Oh les pauvres, c'est terrible. Là c'est terrible ce qui est en train de se passer. Pour les bronzos c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe pour eux. Oh non, pourquoi tu vas? Oh non. En 1v3. Oh il se fait baiser. Ah Zachir. Oh, Dizzy se balade. Dizzy se balade le ref. Vraiment il en a rien à foutre. Il en a rien à prouver. Tu vas où là? Vous allez où comme ça? Mais vous pensez que vous allez baiser qui comme ça? En allant sur le point? Alors, je pense qu'ils sont en moins. Leur mental est cassé au bronze là. Ils savent plus quoi faire. C'est des vrais bronzes. Ah c'est des vrais bronzes. C'est des vrais bronzes et c'est des vrais GM aussi. Comme ça on en doute des fois. Ah super. Alors qu'est-ce que ça propose Dizzy? Oh ça joue un Doomfist là. Gofly il nous sort Doomfist là. Voilà. Voilà. Oh là le Doomfist. Oh là le Doomfist. Oh ça sent, ça craque en face. Dizzy il a trop une sensibilité bizarre. Je pense qu'il joue sur un pavé tactile là. Je pense vraiment qu'il joue au pavé tactile. Ah non les pauvres. C'est terrible, regardez. Des Valentis il se fait courser par un Reinhardt. Oh il a baisé. Attendez. La Coco il fait des kills. Ah super. J'adore. Ok. Dizzy. Ah il se fait baiser. Regarde Lucio. On va regarder les Sars. On va regarder les Sars. Bah là il va speed boost Coco. N'oubliez pas de faire ça en vrai. Il y a plein de gens qui oublient de faire ça. Même moi hein. Mais moi j'oublie assez souvent de faire ça. Ah ouais c'est trop une stratégie trop bien genre. Oh là là le shatter, il y a tout le monde qui est shatter. Oh non c'est le boost hein. C'est le boost sans mesure. Sans mesure. Aïe 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 aïe. C'est terrible. C'est terrible les gars ce qui se passe. Putain je suis deck pour eux, je suis deck pour eux. Après les bronzes ont gagné une game hein. En vrai in my book ça fait 2-1. Tu vois les bronzes quand ils sont deux ils arrivent les gems quand ils sont deux ils arrivent pas à gagner. Ils sont obligés d'être 3. Donc plus de la moitié. Ah ouais c'était serré. Après là j'ai l'impression depuis que ça joue depuis qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils jouent une autre compo que de la 1-1-1, bah ils roustent quoi. Ah ça fume hein. Après les bouses reviennent un par un. Ouais ils se regroupent pas. Ah tu vois. Oh le pauvre Azashir. Oh le pauvre. Voilà il doit subir. Il doit subir. Oh il va se faire shatter. Ah non il a pas de shatter. On va prendre 2,5 GM. Bah ouais mais 2,5 GM c'est pas simple quoi. Un demi mec ça qui se... Enfin, j'aimerais bien un demi GM. Le mec est GM et bronze à la fois. Ça s'appelle un compte acheté. Ok. Allez fais un kill. Je t'en conjure. Non il s'est TP hein. Il s'est vraiment TP. Il n'est plus là. C'était... Ah mais ils ont le point. Les bronzes ont le point. J'avais pas vu ça. Le switch boost et heal avec Lucio. En vrai non pas tant que ça hein. Ça va hein. Quand t'as l'habitude en fait. Tu vois quand t'as l'habitude. Faut savoir quand est-ce qu'il faut heal et quand est-ce qu'il faut boost tu vois. Ah ils ont quand même 4, 28% hein. Mais c'est bien qu'ils jouent Pharah là. C'était une bonne idée ça. Ça j'aime bien ce genre d'idée là. Voilà mais là vous revenez un par un les gars. Là ça revient un par un. Technique quand vous êtes des bons les gars. Arrêtez d'y aller un par un. Jouez avec vos teammates, attendez vos copains. Attendez, ils ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. Eh, speed go fly.
Permettez-moi d'en douter. Ah mais la C9. Non, C9. Oh non. Oh non. Oh non. Perso, il est infâme dans le chat. Il est infâme. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Bah, GG les GM. GG les GM. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et n'oubliez pas de venir sur le Discord qui est en description. Pour ce genre de concept, on a besoin d'un maximum de gens et de n'importe quel rank différent. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. C'est pas moi qui l'ai monté, c'est mon monteur Huître Glaireuse. Du coup, si vous avez la moindre idée de comment améliorer le montage ou le concept, dites-le en commentaire. Abonnez-vous, on est en route pour les 60 000. Et n'oubliez pas le petit like et le commentaire, ça aide au référencement. Bisous.